Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Patrick Renard. Bonsoir Rémi. Alors, vous êtes directeur de la Direction des Services aux Actionnaires d'Air Liquide. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important pour les actionnaires. C'est la performance boursière. Alors, il ne s'agit pas uniquement, comme on pourrait le croire, et trop simplement, de quelque chose de, de basique, de simple, qui est l'évolution du cours de bourse à la hausse ou à la baisse. Oui, alors c'est effectivement un petit peu plus compliqué que cela, on va le voir. Hein. Une petite précision, ce qu'on va évaluer aujourd'hui, c'est la performance du portefeuille d'un actionnaire, ce n'est pas la performance de la société. Et d'autre part, selon la formule consacrée, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc on va raisonner sur ce qui s'est passé, sur, sur l'évolution de ce portefeuille. Alors il se trouve qu'il y a un ratio qui est couramment utilisé, qu'on trouve dans la presse financière et économique, qu'on trouve sur les sites Internet, qui est le rendement, le rendement oui, d'une action. Et c'est un petit peu trompeur, parce que le rendement, en anglais, ça se dit return, et en return, ça traduit en anglais une performance global boursière alors qu'en français le, le rendement c'est juste un, un ratio euh, tout simple d'évaluation lié aux dividendes. Oui, alors ce rendement effectivement est calculé très simplement, c'est le dividende divisé par le cours de bourse. Et c'est là où on a quelque chose qui est un petit peu paradoxal, ce ratio Mélange d'abord une photo à un instant donné avec un cours qui évolue en permanence, donc ce rendement aussi va évoluer en permanence, ce qui explique que selon les différentes publications, on a des valeurs qui peuvent varier, mais surtout ce rendement est un petit peu paradoxal dans la mesure où si la société va bien, en toute logique, son cours de bourse va augmenter et donc le rendement, puisque le cours de bourse est au dénominateur, va diminuer. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et très en bien. particulier, c'est pour ça que vous ne l'aimez pas trop. Il ne rend pas justice à l'action Air Liquide. Alors il ne rend pas justice à l'action Air Liquide. Pourquoi Parce que en fait, il y a beaucoup d'éléments qui composent la valorisation du portefeuille d'un actionnaire et aussi spécifiquement d'un actionnaire à air liquide. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour évaluer la, 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 la valeur du portefeuille D'abord, évidemment, l'évolution du cours de bourse, à la baisse ou à la hausse. Ça, c'est évidemment le premier ça, élément. Le premier point, oui. Après, il y a les dividendes, bien sûr, oui, qui sont voilà, versés ouais. par la société, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelques sociétés le, le pratiquent, dont Air Liquide. Les distributions éventuelles d'actions gratuites. Alors Air Liquide a l'habitude de distribuer en moyenne tous les deux ans une action gratuite pour dix actions détenues. Et les actionnaires enfin, l'attendent toujours impatiemment. Les actionnaires l'attendent <laughs> impatiemment et. Euh, et apprécie beaucoup. Et c'est important parce que si vous avez 10% d'actions en plus, ça veut dire que l'année qui va suivre l'attribution, vous allez avoir 10% de dividendes en plus. Donc ça a un effet très net, là aussi, sur la rentabilité du portefeuille. Et puis alors, dernier élément à prendre en compte, spécifique aussi à peu de sociétés, c'est la prime de fidélité. C'est-à-dire que Air Liquide distribue, enfin, attribue une prime de fidélité à ses actionnaires après deux années calendrier de détention des titres. Ça se traduit par quoi Concrètement, on distribuera 10% de dividendes en plus pour ces actions et 10% d'actions gratuites en plus lors des attributions d'actions gratuites. Alors ça, ce sont les, les différents éléments techniques, on va dire, du métier des titres. il liés à la société. Alors, lié à la société. Et puis alors, après, il y a quelque chose qui, évidemment, est, plus, euh, est un petit peu différent, c'est lorsqu'on achète ou qu'on vend des actions. Bien évidemment, il y a des, il y a des taux, des taux de courtage, hein, et de ce point de vue-là, si vous êtes actionnaire au dominatif pur chez Air Liquide, vous bénéficiez de taux de courtage qui sont parmi les plus bas, voire les plus bas du marché, 0,10% hors taxe, sans minimum. Hein, et. Aussi, si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne payez pas de droits de garde, vous ne payez pas de frais de gestion. Hein. Donc une tenue de compte qui concrètement euh, ne coûte rien lors de la vie du compte. Et puis enfin, tout ça fait l'ensemble de ce qu'on appelle les frais de bourse. Hein. Ce, ce sont, que sont les, les droits de bourse, garde et voilà, puis les frais de, de transaction. C'est cela. Et puis alors après, évidemment, lorsque vous vendez, ben, il y a une fiscalité qui va s'appliquer. Et alors ça, évidemment, la fiscalité dépend de chacun. Bien sûr. Et alors, comment tout cela fonctionne-t-il Quelle est la, la formule de calcul Vous nous avez exposé, hein, il y a le, le cours, euh, les dividendes, etc. Mais comment on combine tout ça Alors, pour combiner tout cela, en fait, il faut revenir à ce qu'on appelle la règle des intérêts composés. Alors, ces fameux intérêts composés, c'est ça qui explique que quand une action gagne, par exemple, 10% par an, elle double en 7 ans et non en, en 10 ans, comme on pourrait le croire de, de façon intuitive. Et exactement. Alors, effectivement, ce n'est peut-être pas intuitif, mais imaginons que vous investissiez 100 euros à 10%. Au bout de la première année, vous avez gagné 10% en termes d'intérêt et donc votre portefeuille est passé de 100 à 110. Mm -hmm. La deuxième année, vos 110% vont aussi porter intérêt à 10%, et là, ce ne sont pas 10 mais 11 que vous allez euh, gagner au titre des intérêts. Et puis la, de, la deuxième année ensuite, euh, la troisième année pardon, euh, exactement euh, la suite, ouais, c'est ce vraiment un effet boule 121 de neige, quoi. euros qui vont porter intérêt et donc on aura 12,10 ouais. euros d'intérêt. Ce qui explique qu'en fait que on a une courbe exponentielle, la courbe rouge que vous voyez sur le, sur le graphique, hein, où on voit que plus le temps passe... C'est la courbe bleue sur le intérêts, graphique, hein, je crois. La courbe bleue, pardon. Voilà. Contrairement à ce que serait la courbe rouge, hein, qui serait si, effectivement, on ne réinvestissait pas les dividendes. Et on voit que ça s'écarte de plus en plus sur le, sur le graphique. Alors, on voit que ça s'écarte de plus en plus, donc la durée a vraiment euh, un sens. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question, mais finalement, au bout de combien d'années... Le, le capital peut, peut le capital doubler, peut par doubler. exemple. Oui. Le capital peut doubler. Alors, il y a une courbe qui, qui est très étonnante, elle est extrêmement creuse. On, on la voit là, là. actuellement. On la voit là. Alors là, vous pouvez voir ce qu'on appelle la règle d'Einstein. La règle d'Einstein, c'est que. Fait, ça fait très chic de ça parler d'Einstein. Ça, hein. ça fait très chic. Alors, euh, ce qui dit que si vous avez placé euh, une somme. À un taux d'intérêt de 7%, vous allez doubler cette somme en 10 ans. C'est ce que j'évoquais. Et à l'inverse, 10%, 7 ans. 7 ans. voilà. Et sur la courbe, là, vous voyez effectivement ces, ces deux points, mais vous voyez aussi euh, ce que rapporte le livret A et combien de temps il faut pour doubler un capital avec le livret A. Alors, il était à 0,5%, c'était 139 ans, il a monté maintenant à euh, 2%, hein, donc. Il faut 35 ans pour doubler son capital. Bon, et c'est totalement illusoire parce qu'entre-temps, compte tenu de l'inflation, le pouvoir d'achat voilà. aura énormément euh, diminué. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est est, est important euh, Alors d'abord, je voudrais signaler, pour ceux que ça intéresse, il y a sur le site un comparateur, sur le site airliquid.com et sur le site... Qui de... permet de voir entre le livret A et, et l'action Airliquid. Exactement. Un simulateur, justement, qui permet de comparer si vous aviez placé telle somme, donc il y a un curseur. Vous pouvez définir le montant et la date de départ du, de votre investissement en actions en liquide et de voir aujourd'hui finalement par rapport à un livret A comparer les, les, les deux sommes que vous, a, que vous avez pu gagner dans chacune de ces hypothèses. Alors on en revient au point de départ. Pourquoi ces intérêts composés sont-ils sont si importants Alors oui effectivement parce qu'on parle d'action donc on parle mmh. pas de on parle pas d'intérêt. Pourquoi Parce qu'en fait c'est une règle qui va s'appliquer aux dividendes. C'est-à-dire que si vous réinvestissez vos dividendes eux-mêmes en fait Hein, ça veut dire que vous allez acheter des actions de plus avec ces dividendes et donc vous aurez encore des dividendes en plus, des actions gratuites en plus, euh, et, etc. Donc c'est très très important et c'est ce que nous conseillons à nos actionnaires de réinvestir leurs dividendes. C'est ce qui se passe couramment avec le PEA. En fait, dans le PEA, oui. les dividendes euh, tombent dans le compte espèce. Ils hein, ne sont pas fiscalisés. Ils ne sont pas fiscalisés à ce moment-là, ils tombent dans le compte espèce et on peut à partir du compte espèce donc racheter des titres hein, et on a vraiment cet effet euh, d'intérêt composé ça se voit sur une action, mais ça se voit aussi sur les indices et de façon très claire. Par exemple, quand on compare le CAC40 nu, qui est le CAC40 diffusé généralement, au CAC40 dividende réinvesti, on voit que les deux courbes s'écartent. Oui, alors euh, ça c'est... Bon, il y a le CAC40 qui est un indice bien connu. Sur la courbe, vous voyez, de son évolution depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 11... au 15 novembre 2022. Et on a un taux de croissance qui est de 86,54% mais ça, c'est 100 dividendes réinvestis. En fait, euh, il est publié aussi un CAC dividendes réinvestis, c'est l'indice qu'on appelle le CAC GR, hein, et qui simule, en fait, ce réinvestissement des dividendes en actions euh, dont ils sont issus. Et là, on a un taux de 154%. Donc, Nettement plus élevé, 154%. Ça veut dire que le portefeuille a été multiplié par non pas un et demi, mais deux et demi. Oui, voilà. oui. Donc on voit vraiment la différence, hein, qu il Alors qu'il a... est à peine doublé avec le CAC 40 hors dividende. Exactement, dividend. exactement. Et alors il euh, y a un indice qui est particulier, c'est le DAX allemand qui lui est un indice déjà dividende réinvesti. c'est oui, le seul ça, au monde, je crois. Euh, euh, oui, tout le monde ne le sait pas, mais en fait quand on compare le CAC 40 et le DAX, la oui. comparaison est faussée parce que le DAX est dividende oui. réinvesti. Et donc, comparer le CAC, il faudra en fait comparer le DAX et le CAC 40, dividende réinvesti, pour avoir une idée plus précise des, de la Bourse de Francfort versus la, la Bourse de Paris. Alors, on, on comprend l'importance de, de, de calculer une performance globale avec le dividende, avec l'évolution des cours de bourse, avec aussi les primes de fidélité. Mais comment on met tout ça en musique Ça donne un calcul qui est sans doute assez compliqué. Alors, c'est évidemment plus compliqué que le rendement dont on parlait au départ. En fait, on part d'un capital initial, on va réinvestir ré 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 les, euh, les dividendes en, en actions et puis au bout de deux années, on va commencer à euh, faire jouer la prime de fidélité et on tiendra compte aussi des distributions d'actions gratuites. Oui. Donc on a un portefeuille qui avait une somme de départ, on arrive à un portefeuille qui a, qui, qui, qui a une valeur d'arrivée, et là il faut annualiser ce taux de croissance. Voilà. voilà. Et ça, ça s'appelle le TSR. Alors c'est de l'anglais, hein, ça veut dire total shareholder return. On mais peut l'appeler performance boursière globale en français, grosso oui, modo. Souvent appelé rendement global pour l'actionnaire oui. ou rendement actuariel pour pour l'actionnaire. Et ça, c'est vraiment la vraie mesure hein, de euh, la performance du, du portefeuille. – Alors, pour Air Liquide, quel est le résultat des courses ?– Alors, pour Air Liquide, le résultat des courses, ben, si on prend les cinq dernières années, en fait, le portefeuille a doublé. Ça correspond à un taux de 14,83%. Si on prend 10 ans, il a été multiplié par 3,2, à peu près 12%. – C'est une accélération. – Et 20 ans, et il y a une accélération toujours aussi, alors à la fois par l'évolution du cours de bourse et puis par cette capitalisation des, des, des dividendes. Et sur 20 ans, donc, multiplié par… Par 8,7, ça correspond à peu près à un taux de 11%. Voilà. Alors le calcul est intéressant, où peut-on le trouver maintenant C'est ça la question. Ce, ce TSR, nous le publions hein, dans le document d'enregistrement universel, lors de nos résultats, dans le guide de l'actionnaire. Toutes les sociétés ne le publient pas, hein, mais c'est effectivement ce qui, qui, qui permet la meilleure comparaison et la meilleure prise en compte hein, des, des performances d'un titre. Alors j'ajoute qu'Investir publie aussi une performance boursière globale. On fait ça en général une fois par an. On étudie la performance des sociétés du SBF 120 sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Alors les Performance peuvent être un petit peu différentes, notamment pour Air Liquide de celles qu'on qu retrouve puisque par exemple on n'intègre pas la prime de fidélité. Mais euh, c'est un, un sujet euh, assez intéressant et qui, voit, eff, qui montre effectivement euh, vraiment le, ce qu'apportent euh, les actions euh, au patrimoine d'un particulier. On voit que les actions rapportent beaucoup plus hein, euh, sur sur long terme que beaucoup euh, d'autres placements. Euh, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter, un mot de conclusion Alors, toutes, toutes les études montrent qu'effectivement, que sur le moyen ou le long terme, ce sont les actions qui constituent le, le meilleur placement. Hein. Comparé à des livrets, comparé à de l'or, même comparé parfois à l'immobilier. Même si l'immobilier ces dernières années, -il Alors, ça dépend était, aussi un années. était un petit peu en concurrence. L'immobilier était un hein. petit peu en concurrence. Mais globalement, et les études de l'AMF aussi le prouvent, le placement en action est le placement plus rentable sur le long terme, moyen ou long terme. Alors quand je dis moyen terme, ça peut être 5 ans. Et pourquoi est-ce que je dis 5 ans Parce que bah, c'est la durée de détention minimum du PEA, qui oui. est une enveloppe fiscale très intéressante, hein. aussi mmh. si on fait des benchmarks européens. Et euh, donc, je prends l'exemple le, des, des jeunes, des jeunes actifs en fait. Leur premier but dans la vie, très souvent, euh, c'est d'épargner pour pouvoir accéder à l'achat d'un appartement, oui. d'une maison. La primo accession, ça c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes. Et bien évidemment, il faut pour qu'ils puissent aller voir leur banquier pour euh, demander à... Un prêt immobilier, il faut qu'ils aient un apport personnel. Eh bien, ça fait tout son sens d'économiser hein, pendant 5 ans sur un PEA avec une taxation légère pour, au bout de 5 ans, avoir, dans le cas d'air liquide, hein, euh, l'exemple qu'on avait vu, doubler son capital oui. en, en. En plus, avec ans. la technique de l'investissement régulier qui permet de lisser la performance euh, s'il si y a des hauts et des bas sur le marché. Tout à fait. Alors, ça, effectivement, il y, y, y a deux basiques hein, mm -hmm. pour les pour l'investissement en bourse et la diversification du portefeuille. Donc, air liquide, c'est bien, mais il ne faut pas faire que du air liquide. Oui et non, parce qu'air liquide est une action diversifiée elle-même, parce qu'en fait, nos clients, et on est, on est B2B, on n'est mm. pas B2C, les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, on, on sert toutes les industries right. et le domaine de la santé et toutes les géographies. Donc, globalement, hein, il y a, je dirais, une, un, un lissage et une croissance mm. extrêmement régulière de, du, de, de la croissance de l'action, de, des résultats de la société euh, et autres. Hein. Donc, l'action air liquide est en elle-même Diversifié. Donc pour les jeunes, effectivement, mettre, euh, ouvrir un PEA et euh, capitaliser pendant 5 ans, c'est certainement quelque chose qui est financièrement extrêmement euh, intéressant. Et puis après, il y aura d'autres projets. Hein. Ça va être l'étude des enfants, Bien ça sera ouais. la préparation de la retraite. Et là aussi, alors là, ce sont des, ce sont des projets à long terme. Encore plus long terme. Et 5 euh, ans, oui, c'est un minimum. Mais alors. Quand on regarde 10, 20 ans ou 30 ans, investir vient de consacrer une étude à ça sur 30 ans, là les actions ont toujours une performance excellente. Sur 5 ans, il peut y avoir éventuellement un peu de volatilité, ça peut être sur certaines périodes un petit peu difficile, mais dès qu'on passe au-delà de 10 ans, les actions ont toujours une performance excellente et qui permettent de faire fructifier un patrimoine de façon, de façon claire et nette. Voilà, bah, on prend l'exemple de la retraite. Hein. La retraite bon, euh Beaucoup de jeunes savent que déjà, les systèmes de retraite ne sont oui. pas forcément à la hauteur de, de leurs espérances et s'inquiètent déjà pour cette retraite et, euh, et commencent à, à capitaliser. Il faut bien voir que nous avons beaucoup d'actionnaires, en fait, retraités, hein, qui euh, ont des titres et le dividende constitue un complément de retraite. Oui. Bon. Le, le dividende Air Liquide a augmenté en moyenne de plus de 8% par an de, dans les 20 dernières années. – Plus de 8% par an. Je ne connais pas beaucoup de mmh. pensions de retraite qui s'actualisent chaque année. – Revalorisées comme ça. Voilà. Merci beaucoup Patrick Renard Merci pour cette Rémi. présentation très pédagogique qui aura sûrement permis aux actionnaires de mieux comprendre comment leur portefeuille se valorise.